Ça va toi? Faut qu'on parte. Elle, c'est Hiroporia. Viens ici. Je revenais tout à l'heure pour dire, c'est les sorciers Apache. Ils n'ont pas le temps d'aller faire marcher. Oui, non. Didoku, tu rentres à droite. Ils sont au bout là-bas. Là-bas, là, ils n'ont pas besoin d'aller. Non, non, les. Alors, quand du coup, pour être au berger. On te mange en même temps. Vite et vite. Nous sommes allés d'abord dans le village, prier pour le village. Parce qu'il y a celle qui vient de faire des aveux. Elle a tué son oncle. Quand on a appris la chose, je suis allé au village là-bas. Il fallait. Mais je pense qu'on aura l'occasion de partir. Parce que tu dis que le feu t'a brûlé. Comment? On était arrêté, on voulait manger. Manger quoi? Qui était arrêté où? Donc on part dans le village et le chef du village dit, faut pas que je vienne indécier quelqu'un qui est sorcier, qui lui n'aime pas ça. Et qui lui a appris que non, moi je détruis, j'étais les canaris mystiques, il ne veut pas voir ça dans le village. Que je peux parler de Jésus seulement. Donc j'ai posé la question au chef du village. Vous croyez à la sorcellerie? Il dit oui. Vous savez que les sorciers tuent? Bon, il est rentré dans un truc. J'ai dit, bon, Dieu m'a donné le remède de ça. Voici l'événement qui s'est produit. Le monsieur est là en brousse, un arbre est tombé sur lui. Et dans cette famille-là, Prisca est devenue folle, c'est-à-dire sa mère, devenue folle. On l'a mis dans les chaises. Sa Zaruko l'a été guérie. De deux, elle a sa cousine qui est à San Pedro. Ta cousine, non? La San Pedro, qui est devenue folle. C'est ici qu'elle a été guérie. Encore, voici un événement. Quelqu'un meurt. Le monsieur qu'elle a tué, la sorcellerie, là. Il y a sa femme qui était déjà morte. Donc lui, il est venu. Et je l'ai vu avant de partir en France. J'ai dit, monsieur, je suis convaincu qu'ils vont t'attaquer, tu vas mourir. Il a même dit, il a joué ça. Ils l'ont tué. Donc comme nous sommes arrivés dans le village, la vidéo, j'ai revu la vidéo et ce que j'ai dit dans la vidéo. Je disais aux gens que Dieu va démasquer les sorciers de ce village. Et c'est ce qu'on a fait. On a posé une date prophétique. À partir de 1h, 2h du matin, j'ai sillonné dans le village. J'expliquais ça aux gens, comme nous on a le don de la voyance. Voici leur aéroport, voici ce qu'ils font, tout ça. Donc on a mis des actions prophétiques. Quand on a quitté le village, le premier à devenir fou, c'est le marabout du village. Elle est Mouba, il est rentré en plus. Maintenant, le sniper. Vous savez, dans les villages, chacun sait qui est sorcier. Hein? On ne parle pas, mais on sait que lui, là, ah, il est sorcier. Il est tombé 3 fois. Maintenant, actuellement, il est à l'hôpital. Maintenant, là, voici. Elle s'est levée un matin, dit, le feu l'a brûlé. Elle va dire. C'est comme ça qu'elle s'est tombée ici. C'est une histoire. Et qu'en réalité, c'est elle qui a tué son oncle. C'est ça? C'est passé comment? Voici un peu son histoire. Le jour, non, on n'attend pas. Quoi ça? Ma soeur. Elle est libre, mon oncle. Maintenant, elle nous dormait. Il s'est transformé dans sa chambre. Il a appelé plus de 3 fois. Apollinaire, Apollinaire, Apollinaire. Et j'ai pris son nom. C'est parti avec le camp de sorcellerie. Je l'ai transformé en mouton. Et une semaine après, on l'a tué. On l'a mangé. On l'a mangé. Je t'entends même pas. On l'a tué, on l'a mangé. Quand est-ce qu'on a fait le manger? Quelques jours après. Mon oncle a appelé que papa allait venir à Iokoya. Papa est parti avec les humains. Et papa a mis le feu dans le village. Bon, je n'ai pas pris, je ne sais pas, il faisait le feu. Et il a mis le feu.
J'ai prié dans le village, il n'a pas pris les braises pour aller incendier la maison. Il faut bien expliquer ça aux gens. Moi, j'ai fait ma prière. C'est toi qui vas à comme feu. Je ne suis pas un metteur de feu, j'ai un prière. Papa a prié dans le village. Il dit papa a prié dans le village. Pendant quelques jours après, on était allé au camp de sorcellerie. On était arrêté. On devait manger. C'est vrai? On devait manger. Viande. Viande de viande. Un coup, le feu a fort mouvement. On a commencé à tomber pour lui. Il est tombé. Il va pas. Il est mangé, viande, il est tombé. On voulait que le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'on est tombé, Le feu a commencé à nous dire. Un matin, il dit, il est venu expliquer ça maintenant. Et s'il veut expliquer, il dit, on va venir chez papa ici. Il croira que nous sommes. On ne voit pas un mois. On a quitté le coin. On était convaincu que Dieu allait démasquer. Les sorciers. Mais toi, tu savais qu'il t'avait tué ton nom. Et pourquoi tu n'as pas dit? Attention. Qui attache son nom qu'a fait corde au cou? C'est qui? C'est toi. Monsieur, viens. Tu es sorcier. Hein? Qui t'a donné la sorcellerie? Hein? Ta grande mère, combien t'as donné? Hé, je n'ai pas le temps, tu sais ça, hein? Donc si j'étais prêt, il faut parler vite, vite, hein? Hein? Tu as dit que tu étais dans le ventre de ta maman. Et puis, comme ça, tu as reçu. Hein? Moi, ce que tu as dit, j'ai retenu, hein? C'est pas ce que tu as dit? Tu dis que tu es dans le vent de ta maman. Tu as été initié depuis le vent de ta maman. Hein? Mais on t'écoute pour te délivrer. Ou tu ne veux pas être délivré? Ou bien c'est faux, tu n'es pas sorcier. Hein? Donc on t'écoute, qu'est-ce que tu as fait? Comme ça? Hey, tu n'as pas de voix. Parle fort. Qui est venu à lui là? Toi, t'as tué combien depuis tes sorciers? 6 personnes. Tu fais comment? Hein? Comment tu veux? Tu fais comme Ruth. Ruth t'envoie quelqu'un qui est comme ça. Elle prend ton âme en même temps. Ça va te délivrer, non? On acclame le Seigneur, il est délivré. Il y a un petit qui est venu de Paris. Il arrête la violine. C'est pour ça qu'il a demandé de venir le saluer. Il avait peur de toi. Oui. Il dit non, lui ne veut pas la. Il veut pas la vue, la fille là, qui tue les gens les yeux. Il dit ça à sa maman. Donc il dit viens. Viens, Ruth, il faut le saluer. Tu l'as salué, ça l'a délivré. Ça va? Ça va maintenant? Ça va. Tu dors bien? Oui. Il ne t'envole pas? Non. On ne te propose pas les plats? Non. Les choukouya? Non. Non, hein? C'était dangereux, hein? 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 Tu parlais à la sirène, ils ont tout ça. La sirène, tu vas sous la mer, c'est ta camarade. Maintenant, ça va. Amen. Voilà, c'est bien de voir Jésus-Christ délivrer les gens. Il faut faire le procès, condamner les gens, il faut aider les gens. Petit, t'as vu, non? Vous avez le même pouvoir en vent. Elle est regardée tuer les gens les yeux. Maintenant, elle est délivrée. Toi, tu fais comment? Je les regarde dans les yeux. Tu les regardes dans les yeux. Et tu fais quoi? Hein? Il devient faible. Et tu fais quoi?
les tue. Comment? Vous avez compris? Ouais, tu ne veux pas délivrer, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Monsieur qui devient chien, qui mord les gens là, c'est qui? Bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu es mis nous maintenant. S'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Comment tu fais? Papa, il est mort. Une fois qu'il est mort, il n'y a plus l'âme. Il mord comment? Tu es où? Qui t'a donné d'abord la sorcellerie? Comment tu as commencé à travailler? Papa, c'est le petit qui a voulu faire tomber mon papa sur la moto. C'est lui qui m'a donné la sorcellerie. Petit? Viens. Ça va? Ça va. Didi, c'est toi qui lui as donné la sorcellerie. Je lui ai donné la sorcellerie, mais il ne voit pas bien là-bas. Hein? Je lui ai donné la sorcellerie, mais il ne voit pas bien là-bas. Non, ce n'est pas toi de Didi, c'est qu'il voit ou ne voit pas. Ça, c'est pas ton problème. Je t'ai posé seulement la question. C'est toi qui lui as donné la sorcellerie. Oui. Tu as tué combien de personnes? J'ai tué 23 personnes. 23. Tu as compris? Mm-hmm. Il voit pas comme toi, tu vois. Lui, il a tué 23. Donc, celui qui t'a donné la sorcellerie? Oui, papa. Comment il t'a donné la sorcellerie? Papa, il est en train de manger. Et puis je suis venu, il dit, ah, ça, le donne moi aussi. Maintenant, il m'a donné. Maintenant, il dit. Quoi? Il m'a donné. Quand on mange quoi? Non, c'est pas qu'il a mangé. Tu manges quoi? Il a donné quoi? Hein? Quoi ça? Et bien, c'est riz, sauce, graines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, quand il a mangé le reste, on a dit, mon petit de lui tout. Elle lui a donné, puis il a dit. Donc, il y a bien dedans. Puis il a mangé, il a dit, je viens de manger avant, c'est quoi, au cababa. Donc tu as donné rendez-vous là-bas. Qu'est-ce qu'il t'entend de manger là? Si tu finis de manger, la nuit, on se rencontre là-bas. Là-bas. C'est comment c'est passé? Là-bas. Monsieur? Là-bas. C'est comme ça? Là-bas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vu là-bas? Là-bas. Et comment s'est passée l'initiation? Moi, je suis arrivé là-bas. Mon premier et assis à leur rendez-vous. Mais c'est normal puisque tu es venu. Non, il a refusé. Non, ils m'ont dit, bon, c'est qui t'a mangé, il faut nous donner. Pour ça. Rembourser. Voilà. Non, je suis obligé de tuer quelqu'un pour leur donner. Pour leur donner. Puisque tu as quelqu'un pour leur donner aussi. Donc, il dit, je vais partir à leur camp maintenant. Tu es venu dans leur camp? Là-bas. Puis tu as commencé à tuer. Là-bas. Petit, tu as vu? Là-bas. Donc c'est toi qui as fait ça? Là-bas. Pas ta soeur. Maintenant, toi, de nuit dangereux. Tu as tué combien de personnes? Tu as tué 23 personnes. 23 personnes. Comment tu les tues? Pas une fois qu'ils arrivent derrière la maison, qu'ils me transforment en chien. Un chien, ils m'en veulent. Une fois qu'il a trouvé une personne dans la rue, qu'il l'a mordu. Mais est-ce que c'est physique? Est-ce que le chien, est-ce qu'on voit ça? Ou mort sur le tout de la rue? Comment ça se passe? Oui, moi, le petit, on ne le voit pas. Donc tu peux tuer quelqu'un qui n'est pas de ta famille? Oui, c'est cette information que les gens n'avaient pas. Ils pensaient que non, il ne peut pas m'avoir. On n'a pas même ça. C'est une science évolutive. Comment toi tu t'arranges quand quelqu'un n'est pas de ta famille que toi, et comment tu t'arranges à le tuer? Parce que je suis venu, il a regardé, si on voit qu'il n'est pas en Jésus.
Comment tu sais que quelqu'un est en Jésus? Parce qu'il veut l'attaquer. Je vois que son esprit est trop fort. Bon, comment l'esprit est demain fort? Et toi, tu as le discernement, tu sais quel esprit qui est fort ou pas? Comment tu vois ça? Parce que je vois là. Si je sais qu'il est en Jésus, le feu va me toucher. Ok. Donc la personne est entourée d'un feu. Papa. Très bien. Vous avez compris? Tu es là, tu dis non, le petit m'a attaché. Ça y est, il n'y a pas le feu chez toi. Vous m'avez compris, non? Donc, vous avez intérêt à vous donner à Dieu. Non, les sorciers veulent me manger, mon Dieu est attaché. Tu n'es pas en Jésus. C'est pour ça que nous autres, nous nous battons pour être dans le Seigneur. On fait un effort. Tu as compris? Tu as fait quoi encore? Donc, tu manges les gens. Et quand tu les tues, ça te fait quoi? Ça me fait rien. On avait la réunion aujourd'hui, non? L'église. Oui, allons-y. Ça ne fait rien. C'est juste qu'il a mangé pour la jambe, il doit donner aussi. C'est une tontine. Tu as mangé, donc tu dois manger pour les autres. Ça se passe comment? Parce que quelqu'un a amené pour lui, on a mangé aujourd'hui. Le lendemain, c'est l'autre qui donne. Après, si ça arrive à mon tour. Donc, mais toi, quand tu tues, ça te fait quoi? Ça ne me fait rien. Si le tue pas aussi, c'est moi qui vais tuer. Si tu ne tues pas, c'est toi qui vas tuer. Donc, tu préfères donner. Maintenant, tu gâtes. Tu as gâté qui? Parce que sorcier ne tue pas, seulement il gâte. Tu as gâté la vie de qui? Il a gâté la vie. Mes camarades à l'école. Comment tu fais? Tu vois, quand on arrive à l'école, si j'en cours, il a dit viens partir jouer au ballon. On est arrivé où il y a ballon, on joue jusqu'à la fin de jouer. Si il y a l'agent, il dit va payer Bissap. Puis c'est dans Bissap, il les gâte. Tu gâtes quoi? Il gâte la vie. Comment? Tu gâtes quoi quand tu dis la vie? Tu gâtes l'école. Ah, tu gâtes l'école. Donc, Bissap, là, tu mets vrai Bissap dedans. D'accord. Donc, il y a Bissap, puis tu ajoutes pour toi-même dedans. D'accord. Donc, eux, ils ne savent pas. D'accord. Et donc, quand ils boivent le Bissap, là, ça les détruit. D'accord. Du coup, ils n'ont plus envie d'aller à l'école, ça gâte leur truc. C'est ce qu'il a même chose que tu as fait, viens ici. Tu dis quand tu as tenu une sorcière, tu as tué une des têtes à l'école. Comment tu t'es arrangé? Ça veut dire qu'on n'est plus à l'abri, hein? Comment tu as fait? Il y a mes camarades, ils m'ont acheté paix. Hein? Ils t'ont acheté paix. Mm-hmm. Tu fréquentes où? À la Gouta. Mm-hmm. Et nous, chez Mendy, puis je vais donner à ma camarade à manger. Parle fort, hein? Nous, chez Mendy, je vais donner à ma camarade à manger. Les saints sont du, c'était du pain? Oui, papa. Et puis, il y avait des condiments dedans. Oui, papa. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis viande de mes pieds dans ma camarade à manger. Donc, tu l'as acheté, non? Oui. Donc, la chine, là, tu l'as transformé, ça? Oui, papa. Et tu as donné ça à ta camarade? Oui, papa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on était parti à l'école, elle est venue me dire ce jour, elle a fait un terreau. Elle me dit que je lui ai donné le pain. Tu es quoi, au lycée? Dégré. Tu es au lycée? Non, pas dégré. C'est quoi ça? Ah d'accord, donc en fait, tu es au secondaire, c'est ça? Non. Tu n'es pas au primaire? Non. Papa. Tu es en quelle classe? Je passe en cinquième. Ah oui, c'est ce que je veux savoir. Et quand tu dis un taureau, là, j'ai compris déjà que tu n'es plus au primaire. Hein? Donc c'est là-bas, tu as fait quoi? Elle a fait quoi? Quand tu as donné le pain, elle a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a mangé, quelques jours après, elle me dit que tu peux lui donner le pain. Son ventre lui fait mal. Ah ok, donc la fille dit, depuis que tu as donné le pain, le ventre fait mal. Là, il lui a dit que si tu es enceinte, là, pas mon disciple. Ah bon, c'est ce que tu as dit? Oui, papa. Hey, mon collègue, il est là. Hein? Une semaine après. Quoi, hein? Une semaine après, elle est morte. Une semaine après, elle est morte. Oui, papa. Et c'est toi qui l'as tuée? Oui, papa. Donc, tu as la possibilité de tuer quelqu'un qui n'est pas de ta famille? C'est ça? Oui. Non, tu t'es convaincu que tu étais en train de la tuer? Et ça t'a fait quoi? Pourquoi
quoi c'est elle que tu as ciblé? Parmi tous les élèves là, pourquoi c'est ta camarade là que tu as ciblé? C'est elle que tu as appelé. Elle allait devenir quoi? Elle allait faire quoi? Et bien c'est elle que tu as voulu éliminer parmi tes camarades. Donc tu n'étais pas d'accord? En même temps, c'est pour dire, nos enfants, nous devons leur inculquer l'histoire de Dieu. Amen. Et ça, c'est important. J'ai toujours dit, j'ai un verset, c'est tellement simple, le verset 4, le psaume 4, verset 9. Dites aux enfants de reprendre ça avant de dormir. Le psaume 4, verset 9. Je me couche, je m'endors en paix. Car toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Moi, avant de dormir, c'est ce que je fais. Je fais une action prophétique, je prie, j'ai dit ça 7 fois. C'est une action prophétique. Quand tu finis, tu rentres dans l'invisible, c'est fini. Amen. Amen. C'est comme matin, quand tu te lèves matin, s'il vous plaît, tu fais après avoir fait la déprogrammation, tu déclares au jour que toute âme qui a été forgée contre toi est déclarée sans effet. Que ce soit l'accident, que ce soit telle chose envoyée contre moi, que ça ne puisse pas m'atteindre. Parce que Dieu ne fera que réaliser cette promesse sur ta vie. Or, Dieu l'a dit. Dans Isaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'arme que le diable envoie contre toi, que ce soit l'accident, que ce soit le poison, ça sera sans effet. On m'a bien saisi. Amen. Voilà. Donc, la vie, elle fait que de programmation. Donc, elle cible sa camarade. Elle se dit, non, celle-là, elle serait quelqu'un d'humain. Il faut vous l'éliminer. Le diable ne touche pas n'importe qui. Amen. Salima de Hérode qui a vu, ah non, on a vu l'étoile de l'enfant Jésus. Il faut qu'on le tue. Comprenez? Il faut qu'on le tue. Donc, quand le diable dit... vous voyez, regardez un peu comment les gens initient. C'est pour ça que quand ici, quand quelqu'un est sorcier, déjà dans un premier coin, on ne se braque pas contre la personne. On manifeste l'amour. Parce que quand la personne dit, j'ai été initié, vous voyez comment l'enfant petit, le petit frère a initié le grand frère. C'est ça dont tu es le grand frère. Il a initié le grand frère. Bien manger. Il mange sauce grecque. Il y a petite viande envoûté dedans. Elle a mangé la viande. Il est venu là-bas. J'ai fait quoi ici? On dit, ouais, c'est ça. Ce que tu as mangé là. Il faut nous rembourser. Il faut donner crédit. Monsieur, le petit est obligé de tuer. Or, quand on est dedans, on tue. Et quand quelqu'un dit les sorciers n'ont jamais tué, il ment. Pourquoi nous autres sommes révoltés contre la sorcellerie? C'est parce que les gens tuent. Il y a le côté tuerie là. C'est ce qu'on appelle les crimes spirituel. Tu vas pouvoir expliquer ce qu'elle entend de dire, mais regarde comment elle a préparé la chose pour tuer sa camarade. Les gens voient qu'elle est morte, hein. C'est dit non, c'est Dieu, c'est or, c'est de la sorcellerie. Vous comprenez? Il y en a plein comme ça qui meurent de ça. Comme la petite fille qui est venue de Suède, une petite fille d'Oula, malienne, et tue un blanc, son voisin. Bon sol tomate, le blanc. Avec Ong Sam, le riz Ong Sam, elle mange le blanc. Elle dit, mais quand t'as donné, elle dit, il a tué mon voisin. Et c'est une petite Libanaise qui a initié la petite fille. C'est pour ça que ne négligez pas vos enfants. Vos enfants, aient leurs yeux. C'est-à-dire, priez avec eux. Si c'est arrivé matin, le collègue de mon Dieu, tu as vu quoi? Vous avez compris? Et puis, mettez-les dans cette histoire de Dieu. Attirez-les. Vous allez voir que ils seront à l'abri. Ils vont commencer à s'intéresser à faire de Dieu. Dieu sera venu de les protéger. Amen. Amen. On va bien saisir. Amen. Et tu as commencé à tuer les gens. Tu as commencé à laisser les gens en vie ça. Petit toi, perso. Et quand ils boivent du sable, tu gâtes leur étude. Comment ça se passe? Quand ils boivent du sable, là, eux, je dis c'est du sable, ils ont bu. Au bout de ça, c'est pas du sable, ils ont bu. C'est quoi? C'est le sang. Ah! C'est le sang. Voilà. Et qu'est-ce que ce sang a fait? Le sang, ça les gâte. Comment? Ça mélange leur esprit. Ça mélange comment? Non, pas. Si ils ont cours, ils ne vont pas au cours. Tout ce que les parents disent, ils n'écoutent pas ça. Ça.
ça broie la carte mémoire. Mais oui, l'homme a une mémoire. C'est ça la mémoire. Une fois que tu es détruit là, tu ne retiens plus rien. Et toi, tu vois ça, puis tu as dit rien. Monsieur, tu as donné travail à ton grand frère. Tu dis, il ne voit pas loin. Il n'en voit pas loin, là. Il a tué 23 personnes. Il n'en voit pas loin, là. Hein? Maintenant, s'il voyait loin, toute la Côte d'Ivoire sera atteinte. Et tu as gâté qui? J'ai gâté mon camarade. Comment tu l'as gâté? Moi, c'est dans Bissap, je l'ai gâté. Toi, c'est Bissap. Et dans ta famille? Dans ma famille, on va gâter quelqu'un. Et pourquoi? Papa, lui, il les aime. Il faut arrêter tes conneries là. Sorcier, c'est quand sorcier est amour. On dit non, il les aime. Vous voulez délivrer vous les autres? Eh hey, petit, ça va? Est-ce qu'il a mangé aujourd'hui le petit? Quoi? Eh quoi? J'ai demandé quel poisson encore. Il peut manger garba. Mais il est en train de dormir. Plein 18 heures, ça va petit? Viens, viens. Il faut prendre soin de lui, hein, chambré. Hein? J'ai l'impression que. Il est. Oui, si, si. Il est bien rigide. J'ai l'impression que. Viens. Tu l'aimes plus trop. Hein? Oui, mais ça se sent. Tu l'aimes plus trop. Hein? Et pourquoi? Je n'ai même pas une brique à la cuisine. Hein? Je n'ai même pas une brique à la cuisine. Tu n'as pas une brique? Même pas une brique à la cuisine. Ok. Parce que. En financier, ça ne va pas. Okay. Mais lui, il a fait quoi? On l'a fait sa délivrance ici, avec sa grande soeur. Non, 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 non. C'est lui qui allait acheter sorcellerie pour être sorcier. Non, il était ici. Il était ici. Donc, pour toi, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour que tu le délivres. L'initiateur? Hein? Non, tu ne fais pas ça. Parce que déjà, tu es déjà braqué contre lui. Donc, il n'y a plus de patience. Tu veux que ça soit rapide. Le processus soit. Oh, je ne sais pas, toi, il y a le truc en main. C'est Dieu qui conduit la chose. Maintenant, toi, en retour, il faut lui manifester l'amour. Qui doit plus l'aimer, c'est toi? C'est ton fils. Tu comprends? C'est ton fils. Tu dois plus l'aimer, toi. Bon, supposons qu'il n'est pas délivré. Il va te manger. Amen. Ah, c'est bon sauce. Non, pas utiliser djunglé. Non, pas pour du plagalon. Bon sauce, bah, il a faim. Oui, ça dit, tu sais, en retour, ce que Dieu veut, toi, l'amour. J'avais la femme qui vend pain sucré. Il y a un pain sucré. Hein. La femme, elle a qui du pays. Daniel, Fanti, elle m'a attaqué. Oui, elle aime me serrer, elle est en bas, mouche. Pour aller, ça elle me rend fou, elle me tue. J'ai fait sa délivrance. Elle devait dire au revoir, papa. Je l'envoie dans le bureau. Et il dit, il n'y a pas de retour. Il m'a donné 5 000. C'est vrai. Pourtant, en temps normal, elle est venue pour m'attaquer. C'est qui? Tu dois voir en toi l'amour. S'il est délivré, il retourne chez toi. C'est toi qui deviens son encadreur. Le prophète Krasso ne sera plus là-bas. Ni un pasteur d'ici. Or, déjà, le cœur n'est plus disposé à l'aider. Parce que chez toi, il t'a détruit. C'est vrai. Mais si Dieu ne voit pas ça, il ne va pas le délivrer. Dieu préfère que je le laisse dans le camp. Parce qu'il n'est pas en sécurité avec toi. C'est pour ça que ça dure. Tu comprends?
Elle dit tout comme s'il est délivré. Comme j'expliquais le problème d'un enfant, on l'a délivré. Il dit son papa la semaine, il dit non, il le voit, il machine, il le poursuit. Le fils le poursuit, il tombe. Le fils veut le tuer. Il dit, ah, le fils veut te tuer. Tu l'as délivré. Il dit non, il reste un petit démon. J'ai chargé de prendre la pizza. Calmez le bébé. Oui, calmez l'enfant. Je suis allé prendre le petit. Je l'ai fait venir. Oui, je l'ai fait venir ici. Et puis, je l'ai mis à l'école. Elle a fréquenté une année ici. Depuis, il est venu ici. Son papa ne le voit plus dans le rêve. Il n'a plus de machette. Il est passé en classe supérieure. Il dit, ça va? Oui, ça va. Répond en famille. Il vient d'avoir son BPC. Adams. Il vient d'avoir son BPC. L'année dernière, il était avec nous, il vient d'avoir son BPC. Amen. Or, le papa, il n'acceptait pas ça. Il voulait se venger. Il m'a fait des confidences après. Parce que le petit, il l'avait détruit. Donc, il a eu du mal à pardonner. C'est ce que toi, tu dis. Quand il dit, à cause d'eux, je n'ai pas une brique. Et tu es convaincu que l'enfant était initié à quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, mais aide-le. Hein? Toi-même, tu ne te poses pas la question pourquoi l'enfant garde ton argent. Hein? Remets-toi en cause toi-même, pourquoi c'est toi? Il n'y a pas un sorcier qui vient ici qui t'a pas m'attaquer. Mais non, mais moi je suis dans le Seigneur. Ma position dans le Seigneur, tu ne peux rien contre moi. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais ce qui est en moi, je dois le manifester, c'est l'amour. Je peux le voir tout de suite. Tout ça. Il y a une qui est chez moi là-bas, un Saint-Tia. Je suis en train de préparer l'entrée. Je la mets à l'école. Sa maman ne veut même pas. Pourtant, elle a été délivrée. La fille aussi, elle a eu le bébé. Elle est très intelligente. Elle ne veut même pas entendre parler. Je l'ai récupérée. Ah oui. Donnez la possibilité aux gens de vivre dans le Seigneur. Jésus-Christ n'est pas venu pour les bonnes personnes. Il est venu pour les mauvaises personnes. C'est des gens comme ça là. Que Dieu les sauve. Ce n'est pas les justes que Jésus a besoin. Tu comprends? Donc si Dieu ne découpe pas en toi un retour, le papa va encadrer l'enfant après, tu vas voir que le système, ça va rétablir le processus de délivrance. Parce que ce qui est intéressant, c'est après délivrance, après que le prophète a prié pour lui, après, ce qu'il vivra, c'est à toi il va vivre. Je ne prends pas le temps de l'aider, parce que de toute façon il est habillé, de toute façon il est, on a l'impression qu'il ne... Hier, je l'ai vu. En plein cul, je lui ai donné 1000 francs. Tu vois? Je lui ai donné 1000 francs. Va manger. Ça va? C'est ton propre fils? Oui. Biologique? Oui. Il faut l'aider. Tu me promets? Non, j'ai su. Prends-le dans tes bras. Non. Allez, donc. Mets-lui sur tes pieds. Faut la faute à lui. Il y a longtemps là qu'on n'a pas vécu ça. Mets-lui sur tes pieds. Alors, l'enfant me sourit. Parce qu'il y a longtemps, il n'a pas vécu ça. Ouais, ben c'est ça. Il faut aider. Amen. Non, moi pour rien au monde, je peux laisser un enfant. Même s'il me fait du mal, c'est un enfant, je ferai tout pour l'arriver là. Tu as cette force. C'est ça. C'est ça la force d'être un père. Tu amortis, tu encaisses. Puis tu fais sortir l'enfant de là. Ça devient un témoignage. Ça va? Il dit ça va. Il ne faut pas attraper papa ce soir. Il y a longtemps, tu cherchais ça. Dieu a exaucé ta prière. Ah, c'est bon. Amen. Ouais, aidons les gens. Amen. C'est vrai. Parce que psychologiquement, ça les affecte, ça les tue. Ça les tue. Ça les tue. Parce qu'au fait, quand on est dans la sorcellerie, il y a aussi des moments de lucidité. Oui. C'est pas tout le monde est possédé. Des moments de lucidité. Dans ces moments de lucidité, il y a des remords, on regrette. Et puis, comme on est possédé, c'est notre tour, on donne, on mange. Mais on a envie de quitter la confrérie.
Et quand Dieu nous tend la main, vraiment, quand Dieu tend la main à quelqu'un comme ça, il faut l'aider. Ça va, tu seras délivré, hein? Tu vas mettre les briques maintenant en terre, le petit. Petit, viens. Et tu vas repartir là-bas, viens. Ça va? Quand papa t'a pris là, tu as ressenti quoi? T'es content? T'es content? Hein? Non, vous parlez. Tu es content? Hein? Tu aimes papa? Tu aimes papa? Viens. Oui, 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 oui. On doit être là pour m'adiser. Dis-lui que tu l'aimes. Il va parler. Dis à papa que tu l'aimes. Et dis, c'est ton papa, non? Dis papa, je t'aime. Dis. Tu l'aimes pas? Tu n'aimes pas ton papa? Tu n'aimes pas ton papa? Je te demande, tu n'aimes pas ton papa? Eh? Non, je comprends. Il n'est pas habitué à ça. Il y a Dieu a un mur qui a été créé. Donc, tout ce qu'on fait, c'est doucement, ça va se briser. Au niveau du cerveau, tout ça, ça va se briser. Tu aimes papa, non? Fais. Va. Vas-y. Zadi, va attraper papa. Toi, vous dormez près de lui aujourd'hui. Oh, non. Ton pied. Oui, tu ne sais pas dire merci. Oui, tu ne sais pas dire papa, je t'aime. Tu ne sais pas dire ça. Il a peur. Prends le lit, il va avec lui. Sur le lit, comme tu l'as fait tout à l'heure. Attends, monsieur. Amen. Amen. Les enfants sont des good choux, il faut les aimer. Amen. Amen. Il faut aimer, il faut aimer. Hein? Et puis à cause de l'amour, il faut aller jusqu'au bout, il faut payer le prix, il faut manifester l'amour. Amen. Oui, Jésus l'a fait. Il a donné un baiser à Judas. Il dit, c'est qui en toi? C'est la traîtrise. Tu es traite. Mais moi, je te donne le baiser d'amour. Parce que les gens qui venaient attraper Jésus, ils ne savaient pas qui il était. Ils ne connaissaient pas Jésus. Il dit, voici le signe. Parce que tout le monde... Dans le signe, Jésus accepte le signe. Amen. Alléluia. Que Dieu nous donne beaucoup d'amour. Amour, 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 amour. Et moi, c'est toujours ma prière. Le jour où l'amour va commencer à prendre le dessus sur le mal, c'est fini, vous avez gagné. Hein? Vous avez gagné l'estime de Dieu. Parce que Dieu est amour. Hein? Les principes de Dieu, les commandements de Dieu se reposent sur l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes forces, tu aimeras l'Éternel. Tu as tout sur le principe, c'est l'amour. Et qu'en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas lui faire du mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, priez pour l'amour. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'était une vidéo. Priez un instant. Deux minutes. On va laisser les gens en faire ça. On va demander au Seigneur de vous bénir, de nous accorder la grâce, de la délivrance. Tu vas dire au Seigneur de te délivrer, de te restaurer, de te libérer. Amen. Amen. Nous prions que tu te manifestes pleinement dans notre vie. Nous plantons sa main. Toi qui es tout puissant. Merci parce que tu es Dieu.
toute la gloire parce que tu es puissant. La gloire et l'honneur te revient, notre Dieu. Merci d'agir pleinement, Seigneur, dans nos vies. Nous comptons sur toi. Merci sur ton aide. Et merci pour la délivrance que tu nous accordes. Au nom de Jésus, tu nous as manifesté, Seigneur. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Une petite pause. Tout à l'heure, vous allez prendre, bah, en fait, la salle, c'est la ligne. C'est l'église qui va faire l'intercession tout à l'heure. Vous, on va vous mettre de l'autre côté, dans la cour arrière, avec vos chaises. Un pasteur va vous conduire tout à l'heure. Moi, je serai dans le bureau et puis je vais faire la réception. On va faire ça comme ça. Allez, voilà. Après la réception, je viens vous imposer les mêmes pour la délivrance. J'ai tout cette nuit-là. Vous voulez me voir? Vous êtes déjà calé sur le bureau? Oui, on va vous recevoir. Ok, oui.